mes vêtements. Tous les vêtements, ouais. Et bah, des trucs comme ça. Et ça, c'est pour la nuit. Ah, pour la nuit. Je vais mettre ici. Waouh! Ah oui, regardez ce qu'elle fait, Julie. Regardez, elle monte sur les montagnes et elle fait ça. Elle est folle. Tu es folle, Julie? Ça veut dire... Est-ce que tu es folle? Are you crazy? Est-ce que tu es folle? Oui, petit peu. Comment tu vas aux toilettes? Dans le bois, dans la forêt. Tu es végétarienne? Ouais. Ah, tu es végétarienne, c'est bien. Ah, ouais, j'ai aussi une... Ah, un frigo. Oh là là, génial. Comment que tu te douches? Dans la rivière ou la mer. Tu te douches dans la rivière. Oui. Génial. Et ici, j'ai USB. D'accord. Donc ça va être ici. Et ici, c'est oh là 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 là, c'est toi qui as fait? Non, là, quelqu'un t'a aidé. Ici, il y a un ami qui m'a bien aidé parce que c'était trop difficile pour le faire. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Julie. Julie qui a aménagé un fourgon Peugeot Boxer. Et franchement, il est juste incroyable. Son aménagement à l'intérieur, on dirait une vraie petite maison. Et vous allez voir, ça va vous plaire. Mettez-moi un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez les vidéos. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life en général et plein de van tours, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Faites une petite pause maintenant, ça prend 2 secondes, et abonnez-vous à cette chaîne avant de regarder la vidéo. Salut Julie, comment vas-tu? Salut, ça va bien, et toi? Eh ben ça va super bien. Alors tu nous viens de où? Tu habites où en général? C'est quoi ton pays? Moi je suis de Belgique, je suis de l'Anvers, et je suis en train de faire des vacances avec ma voiture pour quelques mois maintenant. D'accord, donc pour l'instant tu vis dans ton camion? Oui. D'accord. Et donc ta première langue, c'est quoi ta première langue? Néerlandais. Néerlandais, donc hollandais pour les Français, c'est ça? Ouais, ou on dit néerlandais en français, je sais pas. Ouais. D'accord. Donc on l'excuse un petit peu peut-être. Je ne peux pas parler super bien français, donc je m'excuse, mais je vais essayer de parler le mieux que je peux. Mais je trouve que déjà tu parles très bien français. Ok, allez, merci. Alors, c'est quoi ce modèle, Julie? C'est une Peugeot Boxer. C'est le modèle le plus petit, mais pour moi c'est parfait parce que je suis aussi petite comme tous mes trucs. C'est possible de le pousser dedans, donc pour moi c'est parfait. C'est un Peugeot Boxer alors? D'accord. De quelle année? Il est de quelle année? Je ne sais pas comment on dit ça en français, je crois 2012. Oh, tu me fais travailler là. 2012, d'accord, 2012. Donc il a 10 ans à peu près. Ah ouais, un petit peu comme ça. Ouais. Et tu l'as acheté il y a combien de temps? Une année, je crois. Ah d'accord. Il avait combien de kilomètres? Il avait... Oh là, ça va être dur en français. C'était dur. 120 000 km. 120 000. Et tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté pour 8 000 euros. Oui. C'est bien? Oui. C'est cool? Oui, c'est bien. J'ai pas d'expérience de... fixer les chiffres s'il y a un problème, donc pour moi c'était ok comme ça parce que c'était yeah. Et c'est ton premier van? Oui, c'est mon premier van. D'accord, tu nous le présentes? Oui, bien sûr. Eh ben allez, rentrons dans ta maison. Donc ici c'est ma maison, ici c'est le kitchen, la cuisine. La cuisine. Comment, alors, est-ce que c'est du gaz? Oui, c'est du gaz. Avec quoi? Des petites bouteilles de gaz? Non, une grande bouteille de gaz. Une grande bouteille de gaz? Elle est où? Ouais. Ici. Ah bon? D'accord, je peux rentrer? Oui, oui, oui. Rentrez. C'est une grande feuille de gaz ici. D'accord. Je crois que ça va être allé pour 3 mois, quelque chose comme ça. D'accord. Et ici... Ah. J'ai tous mes trucs.
C'est un petit peu désorganisé, mais... Ah, sympa. C'est toi qui as fait l'aménagement de ton van? Oui, je l'ai fait moi-même. Ah, parce que quand tu l'as acheté, il était nu. Oui, il était juste une... ressort rien. Il n'y a rien, de, rien dedans, donc moi j'ai isolé, fait les trucs comme ça, comme ça. Ah, tu as tout fait là? C'est toi qui as fait? Oui, oui, oui. Tu es bricoleuse? Bah... Devant le van, non, mais maintenant je crois oui. Mais je l'ai fait avec l'aide d'un ami, donc... Ouais. D'accord. C'était un très bien projet. Super. Alors là, ouais, donc là, tu mets... tu es végétarienne. Ouais. Ah, tu es végétarienne, c'est bien. Ah, moi, j'ai aussi un frigo. Ah, un frigo. Oh là là, génial. Merci. Ça marche bien? Oui, ça marche très bien. Oui. Super. Ici, ah. Waouh. Génial. Génial, hein. Et là, c'est pourquoi là c'est pas pour manger, c'est pour boire un verre, là. Oui, c'est pour boire un verre, c'est pour faire un petit peu l'apéritif aussi, ou si tu es en train de cuisiner, tu fais le stuff ici, le truc ici, donc le stuff ici. Et là, c'est ça, c'est de l'eau pour faire quoi, ça? Pour faire tout, pour cuisiner, pour buver, pour... La vaisselle? La vaisselle, ça veut dire... Tu fais la vaisselle avec... la vaisselle en anglais, in English, I know this. The dishes. Yeah. Ah, oui, 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 oui. D'accord. C'est pour tout. Ok. Et comment... Est-ce que tu la bois aussi? Est-ce que tu peux la boire? Oui, 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 je bois aussi. Tu bois aussi là-dedans? Oui. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent en bouteille et des gens qui disent c'est pas grave, on boit là-dedans. Ah oui, j'ai aussi des bouteilles, mais je... Mais tu bois là-dedans? Tu es costaud. You are strong to drink inside. Oui, oui, oui. Bah, c'est 20 litres donc. D'accord. Ok. Et comment que tu te douches? Dans la rivière ou la mer. Tu te douches dans la rivière? Oui. Génial, c'est la nature. Et s'il n'y a pas une rivière, je prends de l'eau de là et je fais tout, tout, tout. D'accord. Et comment tu vas aux toilettes? Dans le bois, dans la forêt. Mais je prends tous mes trucs, donc je ne reste jamais des papiers là-bas. Je le prends, je le fais là dans la poubelle et tout ça. Donc, D'accord, génial. Et... Ok, alors la taille de ton lit, c'est quoi? De quoi? La taille de ton lit, the size of your bed. It's a big one. Yeah, 1m40. C'est une, je sais pas comment on dit ça. Yeah, mais c'est un grand lit. C'est pas. C'est un grand lit. C'est in between, un petit et grand lit. Yeah. Et je peux monter pour regarder? Oui, oui, oui. Et il est très beau, hein, les amis, regardez. Merci, merci. Tout en bois, là, comme ça. Et c'est toi, tu as mis un isolant en dessous là? Isolation? Isolation? Oui, oui, c'est tout Armaflex. Ah oui, comme ça. C'est avec ça. Ouais. D'accord, c'est, ah, c'est génial. Allez, avec les petites épices là. Ah. C'est génial. Désolé, je rentre dans ton intimité. Il y a le même petit papier partout. Oui, alors les amis, je vais vous le traduire. I am sorry, je suis désolé, je t'aime, mais s'il te plaît, oublie-moi, merci. Oui, voilà. J'ai oublié. Mais il y a les mêmes papiers aussi là. Déjà. Tu vois? Oui, j'ai oublié. L'électricité, tu fais comment? J'ai le feu là-bas. Tiens, vas-y, monte, monte. Monte. Si c'était un petit peu plus difficile, et c'est allez donc ici j'ai tout le bravo, hein, bravo Julie. Et donc ici la lumière, les petites lumières là, j'ai aussi une dimmer, donc allez, c'est peut-être un petit peu difficile pour voir, mais je peux donner. Ah oui, là les amis, tac, et ça s'allume de par là-bas. Là, c'est ici ce petit peu. Ok. Difficile. Et ici j'ai USB. D'accord. Donc ça va être ici et ici c'est tout.
Oh là là, c'est toi qui as fait? Non, là, quelqu'un t'a aidé. Ici, il y a un ami qui m'a bien aidé parce que c'était trop difficile pour le faire là, c'est beau, hein. Moi-même. Donc, pour l'électricité, il y a une amie qui m'a vraiment aidé parce que sinon, je n'ai pas une idée comment je peux le faire. C'est très très beau. Et donc tu as payé 8,000 euros pour ton van, donc 8000 euros. Oui. Vas-y, remets ça tranquillement, t'inquiète pas. Ça va. Hop. Hop. Et voilà comment ça se remet. Et voilà, avec des aimants. Et tu as payé combien pour l'aménagement? Donc 8000 euros pour le van nu, sans rien, et pour tout l'aménagement, tout fini. T'as mis un billet de combien? Tout fini. C'est difficile. J'étais en train de comment on dit ça? I was busy with having all the expenses together and like summing them up. But during the process, because it took such a long time and you have to go to the store a lot. I kind of forgot and I didn't keep every expense, but. Je crois que c'est. Ok, si j'ai bien compris. 4000. Ok, si j'ai bien compris, les amis, comme elle a fait plein d'achats souvent, elle ne se rappelle plus exactement comme elle allait tout le temps au magasin, mais environ, elle a payé en plus environ 3 à 4 000 euros, ce qui fait environ le van tout compris 12 000 euros. Mais je crois quelque chose comme ça. J'ai aussi eu quelques problèmes avec le moteur, donc ça c'est un petit peu les... Allez, là. Bon. Ok, super. Tu mets quoi en dessous, Julie? Donc ici, j'ai... comment on dit ça? It's my bathroom. If all my stuff for the bathroom here, my underwear, my socks. Personne ne comprend ce que tu es en train de dire. Tu parles en anglais. Donc ici, c'est ta petite salle de bain. Oui, c'est ça, elle dit c'est sa petite salle de bain. Salle de bain. D'accord, avec ses affaires personnelles, bien sûr. D'accord. Avec la petite chaussette. Hop. Voilà. Donc tous les trucs comme ça. Génial. Ok, top. Ok. Et de l'autre côté, tu mets quoi? De l'autre côté, oui. Donc, ici, c'est tous mes vêtements. Tous les vêtements, oui. Et des trucs comme ça. Et ça, c'est pour la nuit. Ah, pour la nuit. Je vais mettre ici. Et donc ici, cool, hein. Merci beaucoup. ici j'ai tous mes trucs pour faire du highline et du grimpe. Pour s'asseoir, oui, d'accord. Et aussi des. D'accord. Parce que Julie fait de l'escalade et du coup elle emporte tous ses affaires d'escalade avec soi, avec le casque, tout. Ouais. Escalade, depuis un an que tu as ton van, oui. Quelle est ta meilleure expérience? Le souvenir que tu te souviens, que tu te dis, ah oui, je me rappelle, c'était là-bas, c'était un réveil, peu importe. Oh, vraiment, toutes les expériences sont super parce que toutes les expériences sont uniques. Mais pour moi, vraiment, le meilleur cette année, c'était aller à Sardines. En Sardaigne? Oui, en Sardaigne avec le bateau de Toulon. Et là-bas, il y a une commune qui fait du highline et j'étais là pour... Highline, c'est climbing? Non, c'est... oh yes! Tightrope. It's like a skyline. Yes. It's like... It's quand tu marches sur le... C'est slackline, mais... Ah, ok, ah, t'as le... C'est... Attendez, les amis, parce que je suis pas très bon en anglais, toujours, je parle un peu. Comme ça. Ah oui, regardez ce qu'elle fait, Julie. Regardez, vraiment... elle monte sur les montagnes et elle fait ça. Elle est folle. Tu es folle, Julie? Est folle, ça veut dire... Est-ce que tu es folle? Are you crazy? Est-ce que tu es folle? Ah oui, petit peu. Elle est un petit peu folle. C'est nécessaire pour faire ça. Non, j'ai vraiment aimé faire du highline et c'est pour ça parce que je suis très... Allez. Faire des vacances avec mes femmes pour faire du highline. Mais tu es attaché quand tu fais ça. Tu es attaché.
Attaché. Oui, je suis attaché, ouais. S'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent faire comme toi, mais qu'ils ne le font pas car ils ne passent jamais à l'action. Qu'est-ce que tu leur dis pour allez, let's go, you can do it, qu'est-ce que tu leur dirais en français? Juste fais là, si c'est une rêve de toi, juste vous devez être de confiance que tu le peux faire, parce que si c'est possible pour moi et j'étais aucune expérience de faire les trucs DIY et j'étais juste en train, j'étais sûre que je le veux le faire, donc je peux le faire. Et c'est la même chose pour vous, c'est possible pour tous les gens si tu mets le temps et de l'énergie dans ça, ça va être allé, je suis sûre. Donc si c'est un rêve de toi, vous êtes juste sûre de le faire et tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, merci les amis d'avoir encore regardé jusque là. Si vous êtes encore là, faites-le nous savoir, dites-nous en commentaire. J'adore les Peugeot Boxer aménagés. Voilà, marquez-moi, j'adore les Peugeot Boxer aménagés. Je vous donne l'Instagram de Julie. L'Instagram de Julie, c'est Angle and Julie. It's correct? Angle and Julie, oui. Angle and Julie. Je vous le mets là sur l'écran. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram. Voilà. Son compte Instagram, Angle and Julie. Et mon compte Instagram, c'est Fun Format. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir toutes mes vidéos de Van Tour. Et est-ce qu'il a un petit nom? Tu lui as donné un nom? Comment il s'appelle ton van? Juste Veli. Juste Veli. Veli? V-E-L-I. Veli, juste c'est une van, donc le petit mot pour vanille en flamand, c'est, c'est vanille. Donc toi tu l'appelles Vali. Vanille. Il a déjà un nom. Voilà, bon allez, merci les amis, salut Julie, merci à toi, salut, ciao.